On refait le Mac, le podcast Anjo Beach, ici à Ajaccio, toujours en vacances. On refait le Mac, est en vacances et on vous amène avec nous. Merci à la paille, à la paillotte et à la plage du Scoot de nous accueillir ce soir pour cet enregistrement. On va parler, si vous voulez bien, des dernières rumeurs. Elle court la rumeur avec Apple, ça n'arrête pas. Mais avant, je vous propose de faire un petit tour du côté du sponsor. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Alors, la rumeur, c'est le sujet du jour. Il y a beaucoup d'échos autour de nouveaux produits d'Apple cette année à la rentrée. Pour en discuter avec nous cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, toujours ici entre le Lot et la Dordogne. Et je vous, comme promis, au bord de la piscine cette fois. Bien, il fait beau dans le Lot, voilà, ben c'est bien. Il fait beau de manière assez récente, vous savez pas ça, vous qui êtes à Ajaccio, où le soleil brille, quoi, 340 jours par an, mais comme tout le reste de la France, la vraie France, je veux dire la France continentale, on a quand même essuyé des paquets. Qu'est-ce qu'il dit, mais il est fou Cédric Ingrand. Alors, je suis en train de voir le téléphone, vous, Cédric Ingrand, vous êtes au bord d'une plage au nord d'Ajaccio, c'est ça? C'est ça. Mais c'est la paillotte du Scoot, je les croyais démontées déjà, il n'y a pas eu un jugement? Non, c'est fini ça, il n'y a pas de jugement encore, vous savez bien. C'est fini tout ça. Monsieur vous, X, alors on vous tapez sujet, si vous voulez Google, bien. SCUDO, vous connaîtrez toute l'histoire, elle est merveilleuse. Oui. Monsieur X, comment ça va? Vous êtes toujours en Normandie? Bah oui, toujours en Normandie. Mais écoutez, dans une paillotte normande qu'on appelle tout bêtement un restaurant ici, pas tout à fait sur la plage, plutôt dans le bocage, en cette belle semaine de vacances. Alors, vous savez très bien, messieurs, la nature a horreur du vide, et quand Apple ne communique pas, il communique jamais, mais quand Apple ne sort pas de produit, la rumeur s'emballe. On pensait être un peu tranquille pendant ces vacances, ben non, hein, y a les rumeurs, il y en a toujours. Je vous propose qu'on les passe en revue et on fera les comptes à la rentrée pour voir qui a eu raison. Hein. Donc on va mettre un peu les coucougnettes sur la table, je vais vous demander de vous mouiller. Il y a une fête à côté, hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit, mais on ne peut pas faire autrement, je suis désolé. Alors messieurs, quel sera pour vous le prochain produit griffé d'une pomme? Quel est aujourd'hui le maillon manquant dans l'écosystème Apple? On va commencer avec Cédric. Bah, de manière assez évidente, la chose qu'on attend depuis assez longtemps, c'est quand même qu'Apple se mette à prendre la télé au sérieux. On a vu Apple TV. Apple TV, ça date de quand, la première version? Ça a quoi? Ça a 3 ans, 4 ans déjà, quelque chose comme ça? Ça a été annoncé en même temps que l'iPhone, première génération, donc c'était en 2006-2007. 2007. Bon, 2007, on a vu que ça a eu un succès tout relatif. Moi, des gens qui ont un boîtier Apple TV, j'en connais trois et deux d'entre eux, c'est vous, quoi. Donc forcément, c'est un peu limitatif. Je pense qu'Apple est en train de buter sur un truc finalement assez logique. Le fait que pour avoir accès au téléviseur, Microsoft a eu le même problème avant eux pendant longtemps, hein. Ils ont tenté Web TV, ils ont tenté plein de choses. Avoir accès au téléviseur du client, de l'utilisateur, c'est quelque chose de finalement assez compliqué. C'est ce à quoi sont arrivés d'un côté les opérateurs qui soient câblés aux États-Unis et ADSL chez nous, et de l'autre côté les fabricants de consoles de jeux. Et on voit bien que tous ont construit une stratégie qui va bien au-delà de ce qu'ils font à l'origine, c'est-à-dire que tous font de la VOD, tous font tout ça, tous font les métiers sur lesquels Apple aimerait être numéro un. Et c'est finalement assez compliqué parce que maintenant la barrière de péage de l'accès à l'utilisateur, c'est la box, c'est le boîtier câblé, c'est la console de jeu. Ouais. Donc ça va pas être facile pour Apple de s'imposer sur ce marché-là. Ouais. Mais c'est vrai que pour remettre un petit peu en perspective et motiver un petit peu ce que tu disais, Cédric, savoir qu'Apple a besoin d'arriver sur le marché de la vidéo, c'est le leader aujourd'hui de la vente de musique dans le monde, hein. Ils vendent plus de musique que des magasins avec iTunes, et qu'ils ont du mal à transformer l'essai avec la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, on peut la regarder sur son iPod, on peut la regarder sur son iPhone, on peut la regarder sur son iPad, on peut la regarder sur l'ordinateur. Mais avant tout, où les gens regardent la télé aujourd'hui, leur vidéo, leur film favori, en HD ou pas, en Dolby Digital ou pas, c'est bien sûr dans le salon, sur la télé. Et aujourd'hui, Apple n'y est pas. Ouais. Et il y a effectivement, il y a quelques semaines, des rumeurs de l'arrivée à la rentrée, là, à l'occasion de la sortie, peut-être, même c'est même certains des nouveaux iPods, d'une nouvelle génération d'Apple TV qui le permettrait, mais peut-être à un prix un peu plus accessible. D'où, j'imagine, ta réflexion, Cédric, c'est bien ça.
Ouais, enfin, reste à voir si le vrai problème jusque-là d'Apple TV, c'était le prix. Est-ce qu'il suffit de faire un Apple TV like, enfin light en l'occurrence, pour arriver à conquérir le marché? Je pense pas que moi, j'ai pas entendu de gens qui viennent me voir en disant, la question se pose sur l'iPad par exemple, les gens disent, ah c'est bien, mais ah c'est encore un peu cher. Sur l'Apple TV, non, les gens ils en veulent ou ils en veulent pas parce que c'est finalement assez compliqué à utiliser. Il faut le synchroniser avec son iTunes, il faut que ça devienne entièrement autonome. Or, on est à un moment sur le marché où il va se passer des choses, il se passe des choses déjà, mais regardez par exemple l'arrivée prévue pour la fin de cette année des premiers téléviseurs Google TV qui seront chez Sony. Google TV, c'est un système avec un navigateur, un App Store, etc. Toutes ces choses qu'on attendrait a priori plus rapidement de la part d'Apple. Alors c'est vrai que, et là je vais vous faire l'homme qui a vu l'ours, je connais des gens qui ont vu des choses que Apple, sur lesquelles Apple travaillerait en commun avec un de ses grands fournisseurs d'écran qui est LG, avec lesquels ils ont un marché qui est quoi, 500 millions de dollars, un peu plus que ça. C'est logique, ça ne veut pas dire que le produit va sortir demain. C'est logique qu'Apple se pose la question un jour de se dire si finalement la barrière à l'entrée du téléviseur pour nous, c'est la box, c'est l'opérateur, c'est tout ça, le plus simple est-il pas de faire une vraie télé Apple? Monsieur X, vous y croyez à une télé Apple? Bah écoutez, à vrai dire, non. Hein. Moi, je ne suis pas très ému par vos rêves, ni à l'un ni à l'autre. Et je crois que pour la rentrée, plutôt que de se focaliser sur des nouvelles inventions, même si je vous rejoins, Apple n'est pas vraiment présent dans cette partie hub télé, ou en tous les cas est très en retard maintenant. Je pense qu'Apple va surprenez-moi, monsieur. Je pense qu'Apple devrait, ou c'est peut-être un peu prétentieux, ou va se concentrer sur non pas un défi d'invention, mais un défi économique dans les 12 mois à venir, à savoir le téléphone. Deux petites choses se passent pendant l'été. Si on regarde le marché du smartphone aux États-Unis, il y a deux nouvelles qui sont tombées coup sur coup. Un, la part de marché de Android est définitivement maintenant supérieure à celle de iPhone OS. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout... Et de BlackBerry. Et surtout, la croissance d'Android est en train de mettre un vent à Apple et à RIM. Donc, si on regarde maintenant le marché du téléphone au global, Apple reste en dessous des 1 à 1,5% de part de marché au niveau téléphone. Et leur avenir, il est bien là, parce que c'est plus facile avec l'iPhone de s'imaginer aller capturer une partie de ce marché monstrueux, une fois de plus, que de se focaliser sur la télé, là où Google a décidé maintenant d'y aller de manière massive et frontale. Donc je pense que le vrai produit que Apple doit vraiment se poser la question de sortir, c'est ce que j'appellerais un iPhone réduit à l'essentiel, un petit peu dans la ligne de ce que Apple avait fait avec l'iPod Nano puis l'iPod Shuffle, c'est-à-dire un iPhone qui reprendrait l'essentiel des fonctions de son grand frère, à savoir bien téléphoner, une centaine d'applis et pas plus, pas les fonctions iPod, vidéo, etc. Et puis un peu de surf sur Internet éventuellement. Ça permettrait de faire un iPhone solide, beau, essentiel, sans stockage, ou 2, 3, 4 gigas, pour peut-être 100 ou 150 euros non subventionnés. Et là, c'est un monde qui s'ouvre devant eux maintenant qu'ils ont une bonne expérience, non seulement des usages de la téléphonie, mais des relations avec les opérateurs. Et c'est vraiment ça, pour moi, le chaînon manquant. À condition qu'ils ne composent pas le numéro comme tout seul, comme sur l'iPod Shuffle, bien sûr. Non, ça, c'est pour la blague. Est-ce que vous ne croyez pas, messieurs, que... Petite parenthèse, mais ce n'est pas trop le sujet du jour, mais on se fait plaisir. Si Google et l'Android en particulier progressent vite aux États-Unis, c'est parce que l'iPhone n'est disponible que chez un seul opérateur, à savoir AT&T. Et on sait très bien que la part de marché de l'iPhone a explosé en Europe, et en France en particulier, à partir du moment où Orange a perdu son exclusivité. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très clair. C'est clair que le marché est quand même très, très loqué aux États-Unis. Depuis le début, hein, depuis qu'il y a cette exclusivité avec AT&T, tous les 6 mois, on dit non, ça y est, ils vont le lancer chez Verizon, ils vont le lancer chez Sprint quand même, soyons sérieux. Mais et ça vient pas, et on voit bien que c'est pas en train de venir, parce que en l'occurrence, ces petits détails techniques, si vous voulez le lancer chez Verizon, il faudrait que l'appareil soit différent. Il y a des fréquences radio, ouais. des normes radio qui sont différentes. Ouais. Donc ça en prend pas le chemin. Apple
Apple est plutôt en train de prendre le chemin de produire un device, un appareil qui fonctionne dans le monde entier sur l'essentiel des opérateurs GSM en tout cas. Donc, mais c'est intéressant ce que dit Monsieur X, c'est absolument passionnant. Ça fait longtemps qu'on se dit évidemment que pour arriver à se battre au même niveau que les autres constructeurs, il faut qu'Apple décline sa gamme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste ce modèle flagship. Alors aujourd'hui, c'est le vrai 3GS. Qu'on peut encore acheter un iPhone 3GS. Ouais, mais enfin, est-ce bien sérieux? Et de fait, il faut un iPhone Nano, un iPhone Mini, peut-être pas l'iPhone Shuffle. C'est-à-dire qu'il serait limité à des usages, les réseaux sociaux par exemple, la messagerie, mais pas forcément toutes les fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui sur les applications. Mais pas forcément. Oui, mais en même temps, c'est très compliqué. Ouais. En même temps, c'est très compliqué parce que la vraie promesse aujourd'hui de l'iPhone, c'est plus de téléphoner. La vraie promesse, c'est l'accès à l'App Store, les 200 000 applications, etc., etc. Ouais. Donc, en faisant un téléphone qui serait limité en termes applicatifs, bah, Apple vexerait peut-être à la fois ses utilisateurs qui diraient, ouais, enfin bon, ils auraient pu faire un effort. Et de l'autre côté, toute la communauté des développeurs qui dit, bah ouais, mais ça sert à quoi de servir un téléphone sur lequel on peut pas vraiment être présent comme on l'était jusque-là. Donc, il y a un chemin à négocier, et évidemment là le seul argument de vente possible c'est celui du prix. Il faut que ce truc coûte 29€ sponsorisé ou 1€ sponsorisé, surtout que j'ai oui et enfin sur... sponsorisé par l'opérateur. Oui, on parle bien de ça, monsieur X. Cédric, c'est d'autant plus que si on regarde le chiffre d'affaires, petite parenthèse monsieur X, surtout que j'ai oui dire qu'à l'époque Apple n'était pas vraiment convaincu en interne qu'il fallait élargir la gamme d'iPod comme c'est le cas aujourd'hui pour l'iPhone. Il a fallu vous battre en interne pour que l'idée avance. J'ai faux ou j'ai un peu raison? Non, tu as raison. Hein. C'est une question de principe de l'innovation chez Apple. Qui dit innovation dit valeur ajoutée, donc faire payer le prix des nouvelles technologies aux clients, ce qui est bien normal. Ce qui empêche de faire des produits d'entrée de gamme qui n'est pas la stratégie d'Apple. Alors, rappelez-vous Steve Jobs qui a déclaré il n'y a pas si longtemps que ça, en dessous de $500, on ne peut pas faire un PC sérieux. Oui. Donc il y a toujours ce problème d'attaquer le marché de masse. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend le chiffre d'affaires d'Apple, 40% de leur chiffre d'affaires repose sur l'iPhone. S'ils ne sont plus en croissance, ils vont avoir du mal, sur l'iPhone je veux dire, ils vont avoir du mal à avoir de la croissance tout court. Donc c'est certainement le bon moment pour faire ce virage, sans refaire peut-être les mêmes bêtises qu'ils avaient fait avec l'iPod Shuffle, c'est-à-dire donner des usages. Faire croire que c'était mieux de ne pas avoir d'écran. Ouais, donner des usages, mais refuser aux clients la base, à savoir un écran LCD. Ouais. Maintenant, on va avancer vite, messieurs, parce que bon, il y a encore une pléthore de rumeurs et on est juste à la deuxième et que j'ai presque plus de batterie moi de mon côté, donc il faut avancer vite. Une des choses moi qui commence un petit peu à m'exaspérer, et ça bouge beaucoup, c'est le côté d'iTunes. On parle beaucoup de l'arrivée d'une nouvelle version d'iTunes. C'est vrai qu'iTunes c'était un peu une usine à gaz aujourd'hui, et d'une version dans les nuages. On a vu que c'était le sujet de la première émission d'On refait le Mac. Souvenez-vous messieurs, c'était ouf, au mois de décembre de l'année dernière, avec l'arrivée de Lala, donc un service de vente de musique en ligne, un peu comme Spotify ou Wormy. C'est une nouvelle habitude de consommation messieurs aujourd'hui. Bien sûr, très clairement. Enfin, je veux dire, ça devient absolument insupportable d'imaginer qu'on a une bibliothèque iTunes et qu'on ne peut pas la retrouver sans synchronisation sur un iPhone ou en ligne, etc. Je veux dire que c'est bien en même temps parce que ça ouvre la fenêtre à des services innovants. Là, en l'occurrence, je pense à Spotify où l'essayer, c'est l'adopter. Avec la synchro, avec tout ça. Mais pourquoi ? Alors, il y a peut-être, je pense, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il ne suffit pas chez Apple qu'une technologie soit existante, mature, pour qu'Apple fasse un produit autour. Il faut aussi qu'elle soit rentable. La question est de savoir si Apple voit une rentabilité égale dans un modèle in the cloud, c'est-à-dire à la Spotify, Deezer, Wormy, où je choisis une chanson, je l'écoute, je crée mes playlists, j'écoute à travers le réseau, etc. Ouais. Est-ce que ça peut être aussi rentable que la vente de... Et je charge les réseaux des opérateurs, ce qui les rend très joyeux, j'imagine. Bon. Monsieur X. Oui, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Monsieur X, qu'est-ce que vous en pensez de ces services, effectivement, qui aujourd'hui étaient plutôt des services pour l'ordinateur, pour écouter de la musique en streaming, qui arrive maintenant sur les mobiles pour écouter sa musique partout avec les réseaux 3G. Est-ce que vous pensez que c'est le modèle de demain ? Alors, là où je suis sûr d'une chose, c'est que c'est l'usage de demain. Effectivement, c'est plébiscité par nous tous, que ce soit Spotify ou Deezer en France. On n'a plus envie d'avoir à transférer ces fichiers sur un iPhone ou un baladeur. Le fait de pouvoir les accéder à partir du moment où on a du réseau pour pas trop cher, c'est vraiment l'usage, avec une promesse qui est belle et simple.
accéder non plus uniquement à sa bibliothèque, mais au catalogue complet des producteurs, éditeurs de musique. Donc l'usage, il est là. Maintenant, le modèle économique, on sait que c'est super compliqué. Si on prend le cas de Deezer en France, on a vu leur rapprochement avec Orange, ils ont des problèmes de rentabilité. C'est aussi le cas de Spotify, même s'ils font la course en tête. Et pour Apple, oui, ça va poser un problème, parce que s'ils passent avec iTunes dans les nuages, dans le cloud, avec la techno qu'ils ont acquis de chez Lala, il va falloir partager le gâteau avec les majors une nouvelle fois, qui vont demander des minimums garanties pour le streaming de la musique. Il va falloir discuter avec les opérateurs forcément de téléphonie, qui ne veulent pas voir leur réseau surchargé. Donc la marge qu'Apple est habituée à faire est pas la même. Maintenant, la marge qu'ils faisaient sur iTunes, tout simple, n'était pas élevée. Donc je pense qu'Apple va réussir à trouver un équilibre. Par contre, les négociations risquent d'être longues, parce que c'est un peu la revanche des majors, qui s'étaient fait un peu tondre la laine sur le dos avec iTunes, et qui là ont les moyens, à partir du moment où on passe le service dans le cloud, de renégocier leur part du gâteau. Et donc ça va prendre du temps à ce niveau-là, mais on va le voir arriver. Ça, c'est de mon point de vue à peu près sûr, et c'est ça à l'avenir, parce que ça a été publicité par les gens. Autre rumeur, messieurs, c'est les iPads. On a vu circuler des photos des iPads avec un plus petit format. On parle d'un écran de 7 pouces. Là encore, messieurs, vous y croyez ? Il est clair que pour que l'iPad continue la croissance qu'il a aujourd'hui, il va falloir arriver, pas forcément à descendre en gamme, c'est en tout cas ce qu'on espère, mais en tout cas à arriver à baisser son. Ce serait de faire un iPad qui soudain aurait un dos en plastique et aurait un écran un peu plus petit, par exemple. À moins que on soit entièrement en train de se planter. Plutôt différent, oui, descendre en gamme, comme on l'a vu avec l'iPhone, plutôt que différents formats. Ouais. Oui, mais c'est vrai que la chose la plus visible en termes de descente en gamme, ce serait la taille de l'écran. À moins qu'on soit en train de se planter et que finalement, ce soit un iPad 6, 7, 8 pouces qui sorte avec, par exemple, un magnifique écran OLED. Enfin, qu'il y ait quand même un argument technologique derrière en disant on n'est pas en train de perdre en qualité, on est juste en train de miniaturiser. Ce qui est possible aussi. Mais en même temps, on peut le dire tout de suite, on fera quand même la blague sur le gros iPod, parce qu'à un moment, ça va devenir extrêmement pertinent. Monsieur X, très vite, parce que la batterie ne tiendra pas. Bah, j'y crois pas, moi. Enfin, ou alors ce produit s'appelle l'iPod Touch, qui est le dernier produit des iProduct à pas avoir été renouvelé significativement. Il arrive l'iPad petit, hein, c'est le nouvel iPod Touch. Je pense que ça va se finir comme ça. Bien, merci, messieurs l'iPod. C'est la transition. Ce sera le sujet d'un prochain Refait le Mac, puisqu'Apple, hein, c'est une vraie, c'est réglé comme une machine à musique. Hein. À la rentrée, on sait qu'il y aura de nouveaux iPods, c'est quasiment sûr au mois de septembre. Alors, on aura l'occasion de parler des futurs iPods qui arrivent. C'est vrai que l'iPod est un petit peu bousculé à la fois en interne avec l'arrivée de l'iPhone et les usages qui évoluent. Donc il y aura de quoi en parler dans un prochain Refait le Mac. Merci d'avoir suivi cette émission, merci d'y avoir participé, messieurs. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut Olivier. Merci à vous. Salut Olivier. Les radio-éléments de toutes vos infos maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.